Un de vos proches a vécu un événement traumatique et vous observez certains changements qui vous inquiètent. Par exemple, il est plus nerveux, il sursaute facilement, il est comme sur ses gardes. Il peut présenter aussi des difficultés de sommeil, comme la difficulté à s'endormir, des cauchemars ou un sommeil agité. Souvent irritable, il a tendance à s'éloigner des autres, à s'isoler. Vous observez qu'il est plus négatif et pessimiste et il peut même éviter certaines situations. Le temps passe et vous observez que les symptômes perdurent et affectent différentes sphères de sa vie. Accompagner un proche qui traverse cette tempête peut emmener chez vous un mélange de sentiments, tels que de la colère, de l'indignation, de l'impuissance et de la tristesse. Une psychoéducatrice comme moi peut vous soutenir et aider votre proche de différentes façons. Dans un premier temps, avec l'accord de votre proche, je serai en mesure d'évaluer sa situation. Je pourrai utiliser des questionnaires afin de mesurer les symptômes et évaluer leur impact dans son quotidien, pour ensuite établir un plan de match en fonction des priorités identifiées par votre proche. Ensuite, je prendrai le temps de vous expliquer, à vous et à votre proche, à quoi servent les symptômes, puisqu'ils sont normaux et visent à faciliter la digestion du traumatisme. Comprendre les symptômes, c'est essentiel dans la démarche. Je vous offrirai un espace pour parler de la situation, de vos réactions et des stratégies à utiliser tant pour vous que pour votre proche. Je resterai à l'affût de tout signe traduisant une aggravation de la situation. Par exemple, votre proche s'isole, il participe moins aux activités, il augmente sa consommation d'alcool. Je serai en mesure d'évaluer la situation et, si nécessaire, de vous diriger vers des ressources spécialisées. Je pourrai également vous aider dans l'organisation familiale, en stimulant les échanges et en l'adaptant à la nouvelle réalité de votre proche. Puisque votre proche a tendance à éviter les situations qui provoquent de l'anxiété, il se peut qu'il soit difficile pour vous de savoir comment réagir à ses demandes. Sachez que je suis habilitée à vous guider et, si nécessaire, à accompagner votre proche dans un programme d'exposition. Peu importe l'événement traumatique, je serai en mesure de lui expliquer et surtout de l'accompagner dans les situations plus difficiles. Enfin, je vais garnir son coffre à outils, et peut-être le vôtre, de stratégies variées et efficaces visant la saine gestion de l'anxiété. Au fil du temps, je vais suivre l'évolution de la situation afin de m'assurer de la pertinence du plan. Accompagner un proche qui a vécu un traumatisme est difficile et exigeant. Actuellement, peut-être que vous ne reconnaissez plus la personne que vous côtoyez. Peut-être que vous vous demandez si un jour elle sera comme avant. Sachez que votre présence est importante dans sa rémission. Vous êtes comme son phare, qui lui permet de retrouver son port à travers cette grande tempête. Alors je vous invite à solliciter les ressources, à cogner aux portes afin d'être épaulé et soutenu. Un psychoéducateur est un professionnel qui intervient auprès des personnes de tous âges qui vivent des difficultés d'adaptation ainsi que de leurs proches et dont la pratique est encadrée par un ordre professionnel.